Bah écoute, non, moi ça va, hein, écoute, et toi, qu'est-ce que je raconte? Bah, pas grand-chose, hein, pas grand-chose. Écoute, ils nous ont. Au début, c'était bien, tu vois. Ils nous ont dit tu ouvres, après tu fermes. Après, ils nous ont dit tu fermes dedans, mais tu ouvres dehors. Après, ils nous ont dit tu fermes. En vrai, voilà. Mais ça fait plaisir de te retrouver. On va bien s'amuser ensemble. Ous, les Saiyans, j'espère que vous allez bien. Et que vous êtes motivé, si vous n'êtes pas motivé, bah mettez-vous un bon coup de pied au derrière et motivez-vous parce que sinon personne ne pourra le faire à votre place tout simplement. Mais en tout cas, moi, comme d'habitude, je vais être là pour vous aider et pour vous motiver. Donc on se retrouve aujourd'hui, je vais faire la suite avec le Saiyajin Apocalypse numéro 23. On avait fini sur le 22, sur les vidéos publiques, hein, parce qu'on avait fait bien plus que ça, plus d'une soixantaine sur le groupe privé. Mais du coup, sur le public, ça sera le numéro 23. Je vais leur donner des petits noms maintenant. Donc le numéro 23, il va s'appeler Pousse et Repousse. Donc pour le WOD du jour, vous aurez besoin d'une charge externe, donc d'un objet, hein, peu importe l'objet. Si normalement je vous ai prêté du matériel, ceux qui n'ont toujours pas reçu de matériel, n'hésitez pas à venir aux permanences pour que je vous prête une charge externe, que ce soit un wall ball, une kettlebell, une dumbbell, un sac de sable. Bref, il vous faut une charge externe, c'est vraiment indispensable. Et sinon, bah, si vous n'avez pas pu venir ou que j'ai pas pu vous livrer encore, vous pouvez très bien prendre un sac à dos et le remplir de livres pour la charge externe. Et vous aurez besoin de votre corps. Donc aujourd'hui, on a de la charge externe et de la gymnastique. Le WOD, ça sera 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Donc il faudra faire 10 reps. 2, d'épaule et jetée à un seul bras, donc en unilatéral. Épaule et jetée du bras droit. Donc 10 épaules et jetées du bras droit, 10 épaules et jetées du bras gauche. Essayez d'alterner, c'est encore mieux. C'est-à-dire que je fais un épaule et jeté du bras droit, un épaule et jeté du bras gauche. Je fais comme ça jusqu'à 10 répétitions. Une fois que j'ai fini mes 10 répétitions, je ferai 10 strict handstand push-up. Et bien sûr, il y aura des adaptations. Je vous laisse voir tout de suite pour les mouvements du WOD. Et voilà pour les mouvements du WOD. Maintenant, je vous laisse du coup avec un petit warm-up que je vais vous montrer. Et ensuite, à vous de jouer, à vous de jouer. Restez motivés. Honnêtement, restez motivés et vous ne trouvez pas d'excuses, ça sert à rien. Mais en tout cas, je suis là pour vous, pour votre santé et pour votre performance. Ouf. が風っぽくてな。